On pourrait le parler. On pourrait le parler, mais. Et salutations, aujourd'hui. Hein? Et l'a fixé sur un personnage qui c'est personnage numéro un pays d'Haïti. Parce que hier, tu as eu une nouvelle qui n'est pas moindre. Un gros bagaille, un gros causé qui passait dans le département qui n'est pas habitué à une nouvelle comme ça. Dans la question de manifestation au département nord-ouest. Et puisque ville là, c'est ville port de paix et que dans la rue et côté. Et nouvelle là, t'es tombé assez. Oui, que me fait plus temps m'a vivre moi-même. Petite moi, hein, l'unique petite que me gagne, c'est là. Et il fait toute ville jusqu'à présent, c'est là la caille maman lié. Et c'est plus ami me gagne, gros ami me gagne pour de paix, c'est toujours là. Maintenant, nous pas le font petit parler avec Younan. Moun, s'il gagne 50 ans, il gagne 50 ans sous quartier ça. Monsieur pas jamais vivre dehors. Ancien gardien Victoria qui c'est une grande équipe et Rui Kapwa et gardien sélection Port de Paix Ligue de Port de Paix et pendant plusieurs années et lycée Tertullien Guilbeau gardien c'est maître Jean-Rémy Joseph qui c'est une grande professeur Port de Paix notoriété et que ville là que département mais qui c'est voisin hein. Mais qui c'est voisin, président Jovenel Moïse, parce que c'est là, hein, c'est sous Katia Rui Kapwa. D'ailleurs, pile monde toujours connaît, mais Jérémy, c'est censé m'dadou, mettre Rui Kapwa. Et donc, regardez s'il répond moi. Et donc, l'intéressé pour me connaître. Premièrement, je me suis dit qu'il y a un problème dans la rue. Il faut me chercher à connaître comment j'en remis. Ouais, j'ai une famille, j'ai la famille Philippe, j'ai un paquet de monde, la famille Eugène. Et il faut que je connaisse comment j'en remis. Mais tout, il faut que je connaisse comment maître j'en remis, Joseph, te recevoir, comment te vivre. Et question du feu, ça qui te prend dans. Et la caille président et Jovenel Moïse qui c'est voisin. Madame Abdi voisin, on parle de voisin. Mais Jean-Rémy Joseph participait dans l'émission ici déjà. Et c'est pendant une ou deux fois dans la question la mort, Kapwa la mort, et mathématiques, et histoire. En tout cas, notoriété de la ville. Mais Jean-Rémy Joseph, bonjour, où sont matin débat? Hello? Allô? Oui, bonjour, M. Jérémy. Donc, vous avez 60 ans. Je ne sais pas si vous avez 60 ans sous Katia ou bien 50, mais de toute façon, et vous êtes voisin président Jovenel ou bien Jovenel Moïse, mais pour président, je ne sais pas si j'aime dormir là, dans le cas pour encore. Et donc, hier, du fait prend la Kali. Est-ce que vous pouvez expliquer pour tout le monde matin débat comment tu vives donc, moment ça? Bon, je me fais le devoir d'abord de. Vous remerciez M. Tatout, l'ex-député de la commune de Chansol. Vous saluez le Koutou. Je profite de cette même situation pour nous saluer tout le monde qui a écouté nous, en terre étrangère et en Haïti, sous incident qui s'est passé hier dans la ville Port de Paix. Donc, puisque le député Pierre Martin nous appartient dans la même génération, donc, depuis qu'on problème qui posait au niveau de la ville de Port de Paix, il est toujours les moins, puis demandé. Mais Jérémy, comment ça passe? Donc, on connaît qu'il y a une violence politique qui occasionne des manifestations à travers le pays pour que tout manifestant apprenne la démission du président Jovenel Moïse. Mm-hmm. Bon, puisque pour la ville de Port-de-Paix, donc c'est une ville quasiment organisée, la plupart du temps, c'est un mouvement spontané qu'on fait dans la ville de Port-de-Paix. Mm-hmm. Mais c'est la première fois nous estimer qu'il y a des organisations tant qu'on force nous. Donc, ou AG3L, donc, ou tête collée, et bien, ils ont mis tête ensemble pour garder dans qui mesure qui ont été manifestés dans la ville Port-de-Paix. Mm-hmm. C'est ainsi que depuis dans 3 semaines, donc, ville Port-de-Paix, toujours en flamme, avec Taoutou Kaboulé, côté, il y a pendé démission Jovenel Moïse. Mm-hmm. Donc, c'est ainsi que tout le monde peut remarquer que les écoles ne fonctionnent pas. Mais pour le 17 septembre dernier, donc, ça a été réellement triste pour.
les gens qui habitent Port-de-Paix, parce que ça n'a pas jamais arrivé pour un cas de mortalité. C'est ainsi que la manifestation qui a fait au cours de la semaine allant du 16 au 23 septembre, vers les 2 heures, des grands jeunes qui étaient relés Makenes Fanor, qui étaient trouvés la mort du côté du champ d'aviation. Mm-hmm. À telle enseigne, il y a gagné presque 3 voitures qui étaient carbonisées, qui étaient réduites en cendres. N'était-ce pas l'intervention de la police? La maison a été pillée, maison côté Mouna qui était tirée, Makenes Fanor. Mm-hmm. Donc, nous pensons que dans la soirée du lundi 30 septembre, il y a des mobilisations qui étaient faites. Donc, pour regarder qui ont pu manifester pour l'enterrement des chantiers. Donc, c'est ainsi que hier matin, vers les 8 heures, les restes de M. Fanor ont été déposés sur la place d'armes, côté en plus de ses partisans, et assistés à la cérémonie religieuse. Là. Mm-hmm. Maintenant, après la cérémonie religieuse, qu'on voit finir blanc, tu es parti de la rue du Bas, estimé, tu es tourné bon au point, et bien c'est ainsi que nous étions dans le vacarme, nous sommes sortis, nous regardons ce qui s'est passé, et à Pont de Capois. Mmh. Maintenant, à l'angle de la rue Capoy et de la rue Atanaslaf. Donc, c'est là que j'habite, oui. Depuis tantôt 55 ans, et bien, il y a 4 caoutchoucs qui sont entrés pour nous. Je me pose cette question pour me dire bon, puisque qu'on voit Philippe Capoté, avec qui intérêt qu'il y a entreposé ces 4 caoutchoucs. Donc, c'était une planification, et automatiquement, bon nombre de manifestants, ce sont mes amis, mes anciens élèves du lycée d'Atiné Guilbeau et des différents collègues de la ville. Parce qu'il ne faut pas oublier que je travaille depuis 33 ans comme professeur à Port-de-Paix. Parfait. Ça veut dire que moi j'ai un droit sous quelques manifestants qui sont anciens élèves. Donc c'est ainsi que nous avons rencontré 3 policiers de la police administrative. Ça veut dire les messieurs qui étaient vêtus de crème et bleu. C'était 3 jeunes. Et puis il me dit, monsieur, il y a un homme qui bascule. Il me dit, monsieur, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On réclame la démission du président Jovenel Moïse et que la population n'a pas gagné avec nous. Pas tirer. Si jamais on tire une cartouche, ça a tourné mal pour nous, pas tirer. C'est ainsi que c'était 3 jeunes policiers. Ils ont écouté, moi, ils ont fait battre depuis l'an Cafou. L'an Hongrie, Capou avec Riatanaz. On allait dans la rue, Marché en Ferrand, pour me dire, monsieur, regardez si nous carrés les back-up. J'aime la population, ils connaissent, ils me disent, géniaux. Monsieur, ce sont 2 policiers qui sont là. Pour assurer la sécurité des vies et des biens. Donc ça veut dire que enterrement ou bien manifestation est arrivé là. Il déposait moi. Ah bon? Et tout près la caille, il a la rue Capoua. Il déposait le cadavre là et puis il a chanté grenadier à l'assaut, ça qui vous a fait. Alors, excusez-moi, côté déposé moi, c'est en face caille président, non? Non, vous ne pouvez pas déposer en face caille président. Il a déposé le devant caille madame Tavi Ducton. Ok. Ou comme qui côté. Oui. Parce que c'est dans 4 ans nous étions ensemble. Ils ont déposé bon à terre, et puis des jeunes réellement en colère, qui ont hurlé, grenadier à l'assaut, ça qui nous a fait à eux, président Jovenel doit partir. Là même tout le monde a vu en vinaigre, et puis moi les jeunes policiers, les manifestants, et puis monsieur Antijan, très émotionné, il a fait battre gang, parce qu'il me dit, si nous tirons cartouche, nous avons divine. Et puis n'aime pas la manifestation, il dit, monsieur Bertrand, il m'a parlé. Pas beaucoup de ça, mais j'ai dit nous. Et puis rapidement, t'es bon l'autre monsieur qui ou qui dit dans le manifestation, il dit monsieur, on allait avec police au médecin, debout là-bas, rien qui arrive, monsieur. C'est monsieur, okay. Police au côté, et puis monsieur, il est back-up pour venir garder sur des cas. Dans qui mesure que t'es cas protéger cas, tu sais, parce que nous, on a pile de gens qui ont 2 mois, donc nous pas habitués avec les gens de bagaille, ça, et puis cadavre à terre, et puis les gens ont hurlé. Jovenel Moïse doit partir. Donc ça veut dire, mais Jérémy, enterrement t'es grand pile monde. Enterrement t'es presque 1 000 personnes. Presque 1 000. Presque 1 000 monde. Donc qui enragé, qui déchaînait, on dirait que c'était l'armée indigène qui l'a vendu la terre. Ok. Donc c'était réellement, on va dire pour la première fois qu'on vive ça dans le bord de paix. Et puis, et par la suite, qui s'est venu passer? Eh bien, là, pendant ce temps que les jeunes policiers y a fait appel. Backup, et bien ça dépend presque 30 minutes. Qu'on a relevé le cadavre encore, et puis les policiers étaient sous grand rue, et puis ils ont déposé le cadavre qu'on a devant le portail Jovenel Moïse. Et puis moi, quelques jeunes pas caoutchouc, ils ont déposé devant l'autopat Jovenel Moïse, là, côté M.T. Joseph qui a fait acquisition ça au cours de l'année 1960. Et là, il a M.T. Maman Martin Moïse. Voilà. Voilà. Donc, on dit, répétez pour moi, qui année M.T. t'a acheté Kaza?
Bon, j'ai été avec Madame Emantine et l'année dernière, il t'a acheté pour $600 en 1960. En 1960. 1960. Ok. Il m'y a habité sous Katia depuis 1963. Ok. Ça veut dire que tout sous Katia nous levait dans le même matin. Dans le même matin, oui. Même matin, Joseph. Oui. Donc, l'aime garder, me rappeler, m'intervenir, m'intervenir d'une part, parce que toute vie de France, c'est dans le même matin, Joseph. Il me dit, monsieur, ben la triste. Donc, l'aime garder, moi, nous on repassé par les flammes, 4 caoutchoucs. Je mettais deux poubelles en plastique. Je mettais gasoline. Là, moi, je fais mettre deux mains en tête parce qu'il n'est pas habitué. Ça me dit qu'elle est mentie à perdre du travail là. Mon cher, heureusement, il y a des décisions assises à la boivette qui c'est un monde qui se cache à longtemps. Oui, face à face, face à face. Face à face, qui participe dans toute activité de jeunesse, qui toujours encadre le monde. Monsieur, il y a un dépôt qui est à proximité de la maison des mentis, là où se trouve l'autopas de M. Jovenel Moïse et madame. Maintenant, pour éviter que les filles sachent pas perdu toute vitre, toute poignée secrète, c'est là M. Gongo dépôt, et bien il y a des jeunes sur le quartier qui dépendent responsabilité ou ils étaient indiqués dans un premier temps. Après 5 ou 10 minutes, après tout déjà, va comment vous corriger. Nous pas besoin de nous, c'est qu'il y a la paix. C'est une option de dire, faut bouler. Moi, je l'aime garder, rien n'est différent encore. Quand il y a différent, il y a une extension. Même emploi avec un dedans, c'est un pote qui a pété pas d'air, on fait sauter, on passe par l'air aujourd'hui. Ah bon? Moi, je ne teste pas l'arrivée des Udmons. Je ne compte qui ça t'est passé. Je me donne si on parle avec un tronc. Des bonbons de gaz à l'hydrogène sont lancés par ci et par là. Des petits mouris des deux côtés, parce que la population est quelqu'un qui a des âmes dans la main. La population est quelqu'un qui a des âmes dans la main? C'est quelqu'un qui a des âmes dans la main. Mais rapidement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de boulet? Quand il a été flambé, on est dans le pas flambé. Parce que le temps, parce qu'il y a une batterie, inverteur, il y a assis dedans. Mon cher, heureusement, j'ai noté intervenu encore, j'ai été indifférent. Mais quand il a été flambé, une bonne partie de quand il a été flambé. Donc, monsieur, il a été couru, et puis c'est la police qui vient sauver la situation. Donc, c'est apparition de bon. On dit, fait appel à quelques idmons. On dit, mon cher, pour améliorer la situation, pour qu'elle ne dégénère, il fallait déposer le cadavre au cimetière. Bon, je dis, c'est ça qui a pu. Bon, vous me dites, tout le temps, c'est qu'il a raté avec le cadavre, ça a monté, n'est-ce pas, la couleur populaire. Et bien, c'est ainsi qu'il a été fait appel à la mairie. Nous avons son cadavre, si j'ai bonne mémoire, qui était déposé vers les 10h30, 11h. Le cadavre s'est déplacé juste vers les 2h30. Faut-il ça veut dire que, en termes, c'est quand il t'a tout chanté devant Carré Président. Voilà, parce qu'il fait presque 2h du temps. Les mots de quelqu'un chez Idmo, qui ses amis, mais ses élèves, on parle avec eux, ils disent, mais c'est ça qui est possible. Maintenant, il fallait faire, n'est-ce pas, l'intervention à la mairie, afin que la mairie ait autorisation pour y aller avec. Donc, s'il laisse encore, ben, il n'a pas viré en vinaigre. Maintenant, vers les 2h30, et puis la mairie ait autorisation, et puis Idmo a déposé le cadavre devant barrière cimetière. Là. Maintenant, un groupe manifeste, parce que monsieur était habité rue l'hôpital, parce que rue l'hôpital, c'est côté, qui a un bon militant là-dedans. Oui. Et bien, il y a toutes les guillettes et les âmes, les a déposé ses cailles, ils ont tiré bon, ils nous prennent balle dans le projet. Qui côté ça? Devant le cimetière, bon, de paix. Ah bon? Le cimetière, là, son bassin versant, c'est un monde, il y a une roche, il y a une bouteille, il y a un tiré tout, il doit prendre balle dans le mec, il projet, il était couru à la rel, dans la pointe des palmes. Donc c'est comme ça la situation de Port de Paix. Port de Paix était en effervescence, marché était fermé, les bureaux publics étaient obligés de fermer, pas grand public qui était ouvert, mon chien de doux, situation était réellement triste, parce que j'ai problème aussi au niveau des narines, ça n'a pas capé avec monsieur, mais en ma qualité de notoriété, moi, j'étais obligé de camper dans la zone nord, et l'autre jeune garçon tout, m'était fait ça, m'était faire pour nous sauver. La maison de madame Hermantine Joseph. Mais ça me soulignait, c'est que la population a déposé ce cueil-là et il fait presque 2 heures de temps devant Kai Président. Devant Kai Président, il a porté le cadavre là pour Jovenel Moïse. Okay. Il a déposé là et puis il a mis du feu. Oui. Donc, le cahier a commencé à prendre du feu. C'est une maison qui était construite en planche. On va comprendre ce qui s'est passé. Bon, ça veut dire que lorsque la mairie, ben, la police, l'a dit qu'il a déplacé avec elle, et pas de juge de paix. Non, pas de juge de paix. Parce que je te dis, vous devez faire appel à juge de paix. Déjà, la situation est là. Les gens sont intenables. Mieux vaut nous faire appel à la mairie. Et puis la mairie a bonne autorisation. Depuis nous déposer mort là. Cadavre dans le cimetière. Alors, au cas où, ils ont déposé à sa dernière demeure. Bon.
malheureusement, monsieur peut être 40 ans dans le cimetière là, parce que c'est basson, monsieur, Wash, bouteille, des timous qui étaient de côté, à tel ancien tégoïdement qui recevait en cartouche et dans le point de gauche. Oh, juste, est-ce que moi enterré ou bien pas enterré? Bon, à ce moment, j'ai l'impression que l'enterré, bon, puisque moi-même, j'ai pas certifié, je n'ai pas dit ni oui ni non, mais je sais que. Que par le Capoy, ils ont enterré quand même. Après ça, oui, Capoy. Matenès Fano, mon deuxième fois, on m'a exposé au soleil pendant près de 10 heures, côté gaz lacrymogène, des timous, oui. Donc c'était réellement bah, extraordinaire dans la ville de Port-de-Paix. Et où dites-vous, c'est pour la première fois, après presque. Oui, Port-de-Paix a été le théâtre des scènes horribles, hier vers les 10 heures jusqu'à 4 heures, côté Idmoutivino qui était venu. Pacifier zone nord et puis établir la paix, mais on est capable de marquer jusqu'à présent qu'on peut bleu. Les miens sont de déplacer vers les 7 heures. Toutes 6 heures, zone nord, on t'y jette les semis, mon patriellement en circulation. Parce que tout le monde avait eu peur. Eh bien, M. Jean-Rémy, merci beaucoup du fait que vous tracez événement pour nous. Comment vous plus grand passé, monsieur, vous pouvez dire comment votre paix qu'on y est? Comment vous plus grand passé, monsieur, c'est pas vrai? Bon, je ne sais pas quoi ça, non, si j'ai bon nom, parce que je suis déjà étonné, je suis là, la plupart du temps, et mon qui dans l'autre commune, toujours fait, je suis là, je ne peux pas dire, on voudrait y assister, faites moi, il y a fait 55 ans. Oh, moi, j'ai une bonne fête. Louko Abdou Homo, mais dis-moi, comment nous y est? Nous, là, oui, mon grand animateur, Louko Désir. Mon frère, faut que moi, pendant ma vie là, et puis, il y a 11 ans même, qui parle. Des moindres, et c'est un ancien ministre d'État. Et je me dis que mon cher, à t'entendre parler, que ce n'est pas n'importe qui qui a parlé là, et en tant que nec Port-de-Paix, nec d'Ouest, pour qui ça, ce n'est pas qualité Mounzao, Jovenel Moïse, comme président de Guinée Bocotel. Alors, pour qui ça, ce n'est pas qualité Mounzao. Jovenel Moïse, c'est Guinée Bocotel. Laissez-moi vous dire, Louko. Donc Jovenel Moïse, c'est mon ami personnel. Ouais. Mais il y a une différence entre ami personnel et ami politique. Ouais, bien sûr. Donc moi-même, je suis libre. En fonction, n'est-ce pas, de mes opinions, de mon caractère. Je travaille pour Jovenel Moïse. Je travaille pour le nom de Dieu. Je travaille pour le député Forestal. Mais dis-toi que je n'ai pas travaillé pour Kidley Augustin. Jovenel Moïse, c'est pertinemment, il avait l'habitude de m'appeler dans la campagne électorale. Okay. Pour me dire, Jean-Rémy, je me dois frapper. Mais il se fait que je n'ai pas supporté la cause de Kidley Augustin. Et puis, on fait une autre, je n'ai pas de caparelle. Moi, j'ai été au Palais National, il m'avait bien reçu. J'avais occupé la fonction de directeur départemental. On m'a transféré à Port-au-Prince. Donc, à tel point, sénateur, dont il allait trop loin. Imagine un bureau qui fonctionne avec 14 employés. Ouais. Les sénateurs, lui, ont dit que Kédlo Augustin, il a joué le ministre Lamur. Il a dit, ministre Lamur, c'est moi seul qui travaille dans le bureau, tout secteur de mon poil. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Oui, voilà, ouais, jusqu'au mensonge arrivé. Ouais. Maintenant, si je voulais te respecter l'amitié, un homme qui chaque dimanche nous chute ensemble, ouais. Il te donne l'aime, il dit, monsieur Joseph, ça te passe. Mais c'est ça fait hier même, nous n'avons pas de responsabilité pour montrer, monsieur Jovenel Moïse, pour qu'on savait l'amitié. Bien. De toute façon, nous sommes qui ont caractère, ce n'est pas n'importe qui a boulot avec, parce que je n'accepte pas tout. Bien. Monsieur Jovenel Moïse habite avec mon pile. Il connaît bien, il n'y a pas de dîme qui ne va pas accepter. Il va faire appel à moi, mais c'est un ami personnel, jusqu'à présent, mon spectacle, qui est là en exil, qui était toujours été ami, mais pas mon ami politique. Eh bien, donc vous êtes campé hier pour empêcher que en fait en fait résidence Ngadi peut-être deuxième résidence que le gagne là donc bouler dans Port-de-Paix. Oui, parce que premier ça monsieur dans le Port-de-Paix était mal dit. Et que nous fait tout dans nous à tel point que c'est moi qui était responsable marketing pour les gones. Nous madame Martin, nous était toujours qui était bon rapport. Mais dit fait que j'ai pas épousé la cause de l'Auguste. On a organisé des réunions clandestines dans Port-de-Paix pour dire à Moïse que j'avais pas supporté. Je m'en fous. J'avais dit à ces gens que il y avait Duval qui passait 29 ans au pouvoir. Les Duval sont partis. La politique en Haïti, l'engouement, c'est 6 mois bon temps, 6 mois mauvais temps. Parce que ce n'est pas un peuple qui est organisé sur le plan politique. Très bien. Et puis, point bas, la vie se pousse. Mon cher, reste l'homme intègre que tu es. Eh bien, d'accord, parce que les gens de caractère, on ne les rencontre pas souvent. Bien parce sûr. Qu'on est né avec son caractère, donc c'est une chose héréditaire. Très bien. J'ai